On va demander à tout le monde de nous raconter leur première fois. Maintenant, je vais demander à chacun des candidats de me dire sa première fois avec Pauline, de me raconter ça. Alors, Sophie Stanquet. Alors moi, dans mon métier d'intervieweuse, j'ai rencontré plusieurs fois Pauline, mais je vais vous parler du premier fou rire que j'ai eu avec elle. Alors, je me devais d'avoir un devoir de réserve, et Pauline me montrait sa petite fille Eva pour la première fois. Et on avait une complicité, tout en sachant qu'on se respectait et que finalement mon milieu artistique m'empêchait de dire ma position politique. Et Pauline me demande, avant qu'on commence l'entrevue, parce qu'on devait faire des photos, elle me demande... En même temps que Marie Barrette, son attachée de presse, elle me regarde, elle me dit « Vous savez, Sophie, pour l'occasion, je me suis un petit peu habillée, un petit peu plus mémère, ça fait un peu plus grand-mère. » Et moi, Marie Barrette, en même temps, me pose la question « Est-ce que le sapin en arrière ferait un bon décor pour Pauline et la petite fille ?» Et moi, je réponds à Pauline « Oui, très. » Alors Pauline pense que je lui dis qu'elle a l'air d'une mémère. Et le fou rire, je la rassure complètement en lui disant « Non, non, Madame Marois, vous êtes parfaite, je répondais pour le sapin. » Alors on a eu le premier fou rire et quelque temps s'est passé où j'ai reçu le fameux coup de téléphone. Je devais jouer sur les planches du Jésus cet été et vous savez, le coup de téléphone, vous avez les jambes qui tremblent où Pauline Marois me demande si je veux me joindre à l'équipe. Et je lui dis pour la première fois « Ça fait des années que je vous admire. » Ça fait des années que j'ai envie de vous dire oui. Quand je vous interviewais, à l'intérieur de moi, je sentais l'envie de me joindre à vous. Je vais jouer sans doute le rôle le plus grand de ma vie, qui c'est la politique, avec la première ministre du Québec, et j'ai raccroché. Merci, Madame Stanquet.